Eh bien, bonjour les amis, bienvenue sur John Anderton TV. Je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un titre sorti sur borne d'arcade, un titre de Capcom en 1989. Il a été porté l'année suivante sur Mega Drive. C'est de cette version dont nous allons parler aujourd'hui. Un titre, comme je vous l'expliquerai tout à l'heure, qui m'a fait rêver lorsque j'étais enfant. Il s'agit de Strider. On joue à Strider sur Mega Drive. C'est parti, générique. Alors, avant de vous parler de Strider version Mega Drive, je dois vous ramener à ma jeunesse. Nous sommes en 1989, j'ai alors 11 ans et je joue sur CPC 6128. Je découvre en octobre 89 dans Amstrad 100% une publicité avec un guerrier bodybuildé, des parties d'armure métallique, prêt à dégainer son épée. Le test sur deux pages de Matt Murdock consacre d'ailleurs la qualité de l'adaptation de l'arcade sur l'ordinateur de la marque au crocodile. Nous sommes en 1989, disais-je, et mes yeux d'enfant brillent d'envie devant ce titre. Rappelons qu'alors, les héros badass ne manquent pas de Rambo à Robocop. Alors, je n'ai pas réussi, les amis, à vous trouver un test Mega Drive de l'époque. En revanche, je ne résiste pas au plaisir de vous soumettre la conclusion de celui d'Alain Huglacourt, notre bien-aimé AHL, qui testait la version Amiga, qui est très proche de la version Mega Drive, dans les colonnes de Tilt fin 89. Voilà ce qu'il nous disait. La réalisation de Tiertex est exemplaire. Graphisme, animation, scrolling multidirectionnel et bande sonore, tout est irréprochable. Souvent, des graphismes d'une telle qualité sont réalisés au détriment de la rapidité et de l'animation, et plus grave encore, la jouabilité n'est pas toujours à la hauteur. Mais ce n'est pas le cas de The Strider, qui est un jeu difficile, mais parfaitement jouable du début à la fin du soft. Le personnage répond très bien, et rien ne vient gâter le plaisir de jouer. The Strider est une grande conversion d'arcade qui mérite de figurer parmi les plus grands succès de l'année. Alors, en termes de graphisme, vous voyez qu'on a un nombre d'étoiles maximum, on est à 6, 5 étoiles sur la partie animation, 5 étoiles également sur la partie bande sonore, et ensuite il y avait même un test comparatif sur la version Atari ST. Eh bien écoutez, je vous propose que sous ces bonnes augures, nous nous dirigeons directement vers une petite séquence de gameplay pour découvrir quelques niveaux ensemble. Merci, à tout de suite. Allez, on va aller faire un petit tour du côté des options pour démarrer. Alors, le choix entre les trois niveaux de difficulté, hein, c'est du grand classique, easy, normal et hard. Le nombre de joueurs, voyez, on va laisser sur 5. On a une présentation plutôt stylée. On rappelle que pour le scénario, le jeu nous place en 2048. Un sorcier démoniaque, le voilà, du nom de Meio, veut asservir l'humanité. Et comme d'habitude, on va devoir s'en charger. Notre héros arrive de façon plutôt sympa, en deltaplane futuriste. Voilà. Donc on s'appelle Iryu. On a une coupe à la Dragon Ball. Bon, on a un jeu qui reprend beaucoup des codes de l'époque. Tout ce qui pouvait nous plaire. On a un sprite plutôt grand. Il peut sauter, il peut se baisser. Mais surtout, voilà, faire des sauts. C'est vraiment la caractéristique de Strider, ce qui nous faisait rêver quand on voyait... les screenshots à l'époque, on a un héros virevoltant avec une animation vraiment très agréable. Bon, l'épée laser, c'est pareil, hein. Je vous rappelle qu'on est en pleine période Star Wars. Ah mince, hop. Donc trois rectangles de vie pour démarrer. On va pouvoir récupérer des items
des robots qui vont pouvoir nous accompagner. Ils seront de différentes formes, puisqu'on pourra avoir un faucon, une panthère. Est-ce que je passe là? Hop. Ah mince, c'est juste. Est-ce que j'aurai assez d'énergie? Regardez-moi ça. Un lutteur russe. Il est vénère. Et là, une des premières scènes, comme le jeu sait nous en offrir, le plafond s'effondre, enflammé. Alors, il y a pas mal de petits détails dans le jeu. Vous voyez là, en fond d'écran, on voit un ennemi qui survole la scène. Ah, j'ai récupéré de la vie. Regardez-moi ça. Une sorte d'araignée un peu robotisée. J'aurais bien aimé choper la panthère. Là. On peut la voir par ici, normalement, je crois. Là, voilà, regardez-moi ça. Si c'est pas excellent. Vraiment un Moscou un peu cyberpunk là, assez réussi. Oh là, non, 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 oh, c'est pas vrai. Bah, dommage, il y avait du bonus là-haut, notamment une épée plus longue. Parce qu'on a un bonus qui nous permet de gagner en amplitude. Bon, ça vous permet de voir, de constater un des rares défauts que je pourrais faire au jeu. C'est parfois des petits problèmes de ralentissement et puis. Allez, c'est parfait, j'ai récupéré une épée. Une animation qui peut devenir brouillonne. Regardez, là encore, ralentissement. Alors là, c'est génial. Le premier boss, regardez, le polyburo. Les membres se rassemblent et forment un serpent avec la faucille, le marteau. Bon, je rappelle qu'on joue en facile. Bien sûr, le jeu sera un peu plus dur sinon. On rappelle que le jeu compte 5 niveaux. Regardez, là, on dirait Gorbatchev. Meio. Et je pense que là on a droit au fameux ennemi qu'on voyait survoler la scène tout à l'heure. Je vous laisse écouter un peu la musique. On a vraiment une ambiance un peu froide, un peu clinique. J'ai envie de dire un peu russe hein, finalement. Qui est. Ah mince. Ouais, là je me suis un peu enfermé, est-ce que je réussirai à passer? Ah là là. Ah. Ça y est. Regardez-moi ce boss. Hop, on a la tête ensanglantée qui tombe au sol. Bon, on a un jeu aussi avec qui va varier un peu les gameplay, puisqu'on va pouvoir avoir du scrolling horizontal, du scrolling vertical. Bon, je précise que je joue à la manette Mega Drive Mini, encore une fois, comme j'avais fait pour eSWAT. Alors c'est sympa parce qu'on est sur les sensations un peu d'origine quand même. Mince. Bien que je trouve que ça réponde pas au doigt et à l'œil. J'ai fait tout à l'heure en fait une partie sur le matériel d'origine, puisque donc je le possède en loose hein, pour l'instant. Il faudra vraiment que je me le procure en complet parce que c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Ah mais j'ai même pas eu à. Je l'ai battu direct. Bizarre. J'espère que ça va pas trop me gêner là. Parce qu'il y a un saut. Eh voilà. Il y a un saut pas facile ici. Ouais, je trouve que les inputs sur ce jeu répondent pas au doigt et à l'œil, là, pour le coup. Voilà, là on a vraiment des scènes bien sympas. Ouais, non, je saute trop tôt. Deux heures plus tard. Allez, on recommence. Ah, c'est pas vrai. Ça se joue au poil de rien. Ouais, impeccable. Oui, je disais que tout à l'heure j'ai joué sur un matériel d'origine. Ah non, mais c'est une horreur en fait.
Ouais, bon, je suis passé. J'ai joué au Stick Arcade Mega Drive. Ouais, je vous cache pas que c'est un plaisir. On a une ambiance là de fou furieux. Ah mince, je l'avais un peu oublié. Lui. Bon, on a un checkpoint quand même. Ah mince. Là on a une vie. Ah non, non, non. C'est vraiment pas mal, hein. On a des niveaux vraiment en level design qui est très agréable. Les niveaux sont bien construits. Ça va nous rappeler un peu Contra 3 avant l'heure. Notre héros a une touche folle en plus. Et vraiment, ce qui faisait rêver, c'était cette épée, c'était encore une fois ces sauts virevoltants là, très agréable. Ça amenait des sensations, je trouve, de jeu qu'on n'avait pas vraiment connues. Oh. Mais non. La fourberie quand même, hein. Ah. Bon, après on a une prise en main un peu rigide encore une fois. J'avais déjà souligné un peu pour Iswat. C'est un peu le. Ah. C'est un peu, je trouve, parfois le problème de ces premiers titres sur Mega Drive. Alors ça n'empêche pas de s'amuser. Que je les touche là, j'ai l'impression. Ah, oh, punaise! Oh là là! Ouais, je les touche. Ouais, je sais, c'est pas très courageux, mais bon. Bon, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on s'aperçoit aussi qu'entre le début du stage et la fin du stage, on se déplace, il se passe des choses. On a encore une fois un level design qui est très agréable. Donc là, on attaque une forteresse, troisième niveau. En fait, encore une fois, ça manque juste un peu de précision dans les contrôles. Voilà. Je vais pas dire qu'on maîtrise pas le personnage, mais des fois, on a l'impression que ça fait pas exactement ce qu'on aimerait. Je prends cher là.
Aïe. Game over. Bon, on va refaire un petit crédit peut-être, juste pour finir ce niveau-là. Ah bah, je reprends. Ok. C'est pas vrai. Bon, c'est vrai que voilà, Iryu s'agrippe aux parois. Enfin, on a vraiment un personnage qui peut faire. Eh, mais je suis teubé quand même là. Vous pouvez le dire, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Trop pressé, trop pressé. J'attends, j'attends. Hop là, pas mal. Un petit robot style ED209. Ah ça c'est pas mal, j'hésite presque à le prendre. Allez, essayez pour vous montrer. Hop là. Petit piège. Hop là. Donc on l'a vu, hein, Strider, a été adapté sur beaucoup d'ordinateurs différents. Hop. Oh, je suis passé? Ouais. Clac. Alors là, on a encore une des bonnes idées du jeu, vous allez voir. Regardez. Hop là, et voilà. On va passer à l'envers. C'est plutôt pas mal. On a vraiment un gameplay plutôt varié. Hop, hop. Après voilà là. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Hein, on a un boss intermédiaire là. On a l'impression d'être dans, dans l'étoile noire presque. Je dis encore une fois, hein, fin 89, les références au cinéma de science-fiction sont là. Après, c'est vrai que voilà, avec des contrôles qui répondraient un peu mieux, le jeu serait vraiment un gros bonheur, quoi. Hop, je monte un peu l'énergie. Alors là, je sais même pas pourquoi je suis mort. Alors, on y va. Ah, le temps peut-être. Ah, peut-être ça, le temps en fait. Je détruis des espèces de molécules là. Je le marre avant quand même. Une minute encore. Ah, quand même. Ah, oh, punaise, c'est pas vrai. Franchement, c'est vrai que là, je sais pas pourquoi, sur ce jeu, je trouve que la manette répond très mal. Du coup, j'appuie un peu tôt. Hop. Eh, mais c'est pas vrai. C'est toujours... Oh là là. Je vous régale, hein. C'est toujours qu'on veut faire un gameplay qu'on fait n'importe quoi. Je me suis... Ah ben, il revient pas. Ah, mais... C'est une catastrophe. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, hein, mais quand même. Ah, ah oui, lol. Eh, vous allez vous marrer en regardant ça, hein, sérieux. On a fait quoi là? On a fait 3 niveaux. Bon, il en reste 2. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter.
Oui, je parlais des adaptations. Strider, il y a une version sur NES, mais où on n'a pas, on peut pas virevolter comme ça. Je trouve ça dommage, on perd tout le truc. Le jeu est quand même pas mal. J'en ferai une review, je pense, à un moment. Strider 2. Strider a eu une suite que j'ai personnellement sur Master System en l'occurrence. Voilà, qui est plutôt pas mal. Et bien sûr, il a fait l'objet d'un reboot. Vous vous en souviendrez certainement, en 2014, qui était pas mal, voilà, qui était pas mal. Ça révolutionnait rien, mais c'était pas mal. Bon allez, je pense qu'on va s'arrêter là. Quatrième niveau, dans une sorte de jungle, il y a des Amazones, il y a des dinosaures. Voilà, je vous spoil un peu, mais j'en dirai pas plus. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on s'achemine doucement mais sûrement vers la conclusion. Allez, à tout de suite. Et bien voilà les amis, nous avons pu découvrir ou redécouvrir Strider tous ensemble sur Mega Drive. Donc une adaptation de l'arcade relativement fidèle, à quelques ralentissements près. Manette en main, ça reste assez agréable, même si je pense que le jeu aurait pu répondre un petit peu mieux aux sollicitations que nous pouvons faire. Maintenant, des musiques, là encore, un peu comme sur eSWAT, qui se démarquent. On a une ambiance sonore assez agréable, et puis on a une ambiance même générale du titre, avec ce côté russe, ce côté guerre froide, qui donne une ambiance que moi personnellement j'aime beaucoup. Donc je ne peux que vous recommander de faire figurer ce Strider dans votre collection Mega Drive. On n'est pas sur un jeu qui coûte beaucoup encore aujourd'hui. Voilà, j'ai été très heureux de pouvoir vous le présenter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le connaissiez, si vous jouez dessus. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler encore de Strider sur d'autres formats prochainement. Allez, c'était John Anderton TV, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!